Voilà, bande de commandes à Doudou Moti TV et c'est moi, vous allez bien le tout ce tour, est-ce il faut nécessairement qui écoute. Tout ça, on va prendre le tour d'annonce dans le dingue à Kanda parce que nous avons des choses à qui mettre dans l'Est. Nord, Sud, Kivu, Tolobi, Tolobi, Tokotika, Golobate, Bama, Baye, Awasi, Kaopo, Basi, Samakam, Nos. Femme pour l'amour du Congo. Bango Baye. Mbalo, ce que vous est, Keba. Ce que complice, Keba. Bah, guerre dans l'Est, et Sili. Il y a solo, il y a solo. Guerre dans l'Est, et Sili, RDC, et Jumaramabo. État de siège, et Sili. Alors, nous recevons des femmes, où nous avons révélé, où la Pessi Bango, tant que vous avez la plateau, c'est un témoignage. Pour pas citer la nous avons na Congo. Alors, il y a des gens là, aux soldats, aux rebelles, aux. Vous voyez que ça y est, donc, guerre, c'est Sili. Tolongue et Tumba. Alors, moi, je vais d'abord vous présenter nos femmes et surtout aussi, tout le monde, quand on a Maître Moko, Azali, juriste de formation, Europe, avocate, excusez-moi, à Romégala, nous, nous avons eu. Pour la bataille, nous avons eu état de siège et amateurisme. Pour la bataille, la zone d'état de siège est violée article 80, 144, 145 de la Constitution. Pour la bataille, la Sénat présente, nous avons deux chambres après cour constitutionnelle, avant ça, a proclamé état de siège. Pour la bataille, maman Evelyne, avocate à l'Obilini. Il y a Zali Moutami Beko, à côté de Sami Beko, toi, à côté de Zali, à Zali Kosenga. Na Bango. D'abord, maman Evelyne, pourquoi? Parce que c'est la polémique dans le monde entier, les réseaux sociaux, président de la République, des violations à violation, à autant de règles de la Constitution. Même nous, dans le temps de siège. Bonjour, maman Evelyne. Bonjour, papa Doudou. Merci pour Nali Lobo Pessingaï. C'est vrai, état de siège, il y a un peu de troubles dans le temps de siège. Mais nous biso comme des Congolais, c'est vrai, na misu na biso tout le monde a kesa li kamoko. En tant que juriste, en tant que avocate, il parlait pas président Asala. En tant qu'avocate, comme avocate, na yebi que état de siège et ça n'a pas conséquence ébélé et puis ezali na processus ébélé avant muto azwango. En tant qu'avocate, critique et coquine ango kozala. Mais en tant qu'enfant de Dieu, parce que nul n'est supérieur à Dieu. Nul. Même constitution n'a plus les 15 ans. Ok? Alors, ce qui, il y a des fois où le leader a une décision est impopulaire, mais ce qui a eu qui voit de l'éternel, lui ne recours après, il y a le banon papa ou sala qui malam. Parce que souvent, ma action, ma décision, le papa a joué, quand on a souvent, il y a des gens qui ont été en train de se. Mais papa, ce qui a été en train de se il a été établi par l'éternel. Quand on a dit que le président de la République a été en élection, si Dieu n'a pas permis à Zalawana, à 90%, à Zalawana, ok? Alors, si vous êtes congolais, il faut comprendre que la dimension de la dimension de la. Tout le monde a quand même un monde qui physique, qui est au état de siège, au macamboza boyé, à respecter qui boyé, l'unité T. Imaginez à l'époque de l'ex-président, l'honorable sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Bisounours au Congolais, histoire Toyebi. Beni élections à la rate, n'est-ce pas? Beni Boutembo, pour nani ni insécurité, tout ça, président Lobby, non, pour l'insécurité, pour nous, allez, tout kata, bah, on va faire l'élection sur quoi, on va faire la rate après, n'est-ce pas? A joie qui décision, on a. Mais imaginez les longs, où le président, où il y a Azali en exercice, a eu l'élection, maintenant, il se prépare, non? Il se prépare l'élection en 2023. Imaginez la préparation de l'élection à une décision, où il y a état de siège. Maintenant, sur quoi, ceux qui m'ont commandé, ils s'imitent. Au moins, il risque à Zozoa, n'est-ce pas? Mais à taille et l'eau qu'on a été, lui il s'est dit il obéit. Oh, le président avait mis dans mon nom, il a été. Moi, je vous le dis, je vous le confirme, parce que ni par la chair, mais par l'esprit. Alors, parce qu'il a été poussé par l'esprit de l'éternel pour mettre fin et amener la paix dans la RDC. Voilà, alors on a dit poussé par l'esprit de l'éternel, là que Malamou n'est pas présidente. Il y a Femme pour l'amour du Congo, maman Dorcas Daniels. Alors, tout le monde me dit, il faut moi synthèse, Femme pour l'amour du Congo, poussée par l'Esprit du Seigneur. Pourquoi mettre Evelyne Alobibongo? Pourquoi
il y a la constitution, il y a comme ça sur le plan spirituel, il y a un état de siège et ça programme. Na ko répondre yo na exemple moko na kati ya Bible. Ezalaki mokolo moko un jour de sabbat, Yesu akoti na temple, akoti mutu azaki na infirmité, abundeli po na mutu wana mutu abiki. Ba farisa yo batalie batumiye. Yo ndenge nini obuki mibeko. Ayedisi bango. Est-ce que na tika mutu na infirmité akufa to na biki sabumo ya mutu. Ce qui est important devant Dieu, c'est la vie. Et je pense que Nzambe Nabiso, c'est un Dieu autocrate. Démocratie est allée spirituelle, biblique. Notre Dieu, c'est l'autocratie. Makambumioso, autodroit, démocratie, est allée organisation, il y a communauté internationale pour déstabiliser l'Afrique. Parce que Biso Nakati, il y a origine, pena baracine Nabiso, culture Nabiso, est la culture royale. Tozali bat auto outi na ba culture royale où il y a un roi et il y a des successeurs qui sont choisis dans sa famille selon les compétences au fur et à mesure. Alors, moi je pense que s'il a pris la décision selon l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est tout simplement parce que ce pays appartient à Dieu. Le Congo appartient à Dieu et Dieu en décide du sort et de l'avenir. Et comme la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, c'est-à-dire décision où il y a Zuana, le roi Bissot de Bondelaki, pour toi, il y a un témoignage de Bissot. Alors, guerre ici dans l'Est, témoignage à nous, pour toi, c'est pas déjà, guerre dans l'Est ici sur le plan spirituel. Non, mais justement, ici, il parce que tu déclaré à nous. Aïbissi Bissot, tu sangana, tu sangani, tu bondela, tu bondeli, abi ayano li Bissot. Tant que ayano li Bissot, tu ndimisami, tu umkomo na bilembo. État de siège est bandi le loté. Et banda depuis la Bible, depuis l'Ancien Testament, beaucoup remarqué tant que le roi David, il fallait qu'il livre la bataille, il fallait qu'il y ait un général devant, pour qu'il y ait un bunda, pour qu'il y ait un protéger. Il y a un sangai, il faut utiliser l'arme en fonction et attaque aux osois. Soit qu'il va attaquer, on a malobotin, le ministre de l'Information. Soit qu'il va attaquer, on a mindouki, on a le ministre de la Défense. Il y a un général pour défendre Mboka. Donc, c'est-à-dire, en ce moment, ceux qui ont déclaré état de siège, ça veut dire que. Il faut absolument que Bato Baza Baba Koloma Pinga. Pour Bato Baba Bundi Sabiso Baza na Mindouki. Donc il faut que Baba Baibi ko Simba Mindouki Bakende. Alors, femme pour l'amour du Congo. Ezali, femme pour l'amour du Congo. Femme pour l'amour du Congo, Ezali mouvement, il y a Basi Omine. Oyo Nzamba Benga qui va dominer. Nekatoza Ao. Bisoneto Monia, Toza ba cofondateur. Toza cofondateur, comment c'est vraiment. C'est une longue histoire. Comment vous expliquer? C'est même pas une longue histoire. C'est compliqué. C'est pas, donc c'est quelque chose qui s'est tissé naturellement par la main de Dieu. Et nous sommes là. Et Tozo Bengape Basi Nyoso. Oye Basambe Ranzambe na ba koukou na ba chambre na bango, na ba église na bango, na ba ngomba, bakita. To sangana, to bonde la pona mboka na biso, to continue ko déclarer la victoire parce que la victoire nous est déjà accordée. Dans maman mi le yi ba yi ba ok ne ten a beni po guerre yo to juge longa. Bino mi le yi na yi te kamine de maman yo to la mouka a karine de. Maman ba tere mi, maman mi le yi a la plateau, na mou kou na kamera, na yi te bo ki men a beni, bo ban a masasi te, bo ban a miwa te, Bible est-ce que si vous kenna ma guerre, vous n'avez guerre là, l'okito ma chasse. Bible le Bible. Oui. Bible le Bible comme quoi. Oui. Celui qui est l'abri sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À continuer le Bible, lorsque 1000 viendront à gauche et 10 000 à droite, vous ne serez jamais atteints. Parce que vous êtes sous l'abri. Tous ça la macamoro on a posé à vous ça parce que Dieu a ordonné. Lorsque Dieu ordonne. Donc, armée céleste à l'œuvre. Oui. Il y aurait bien armée céleste. Tout n'a pas en Israël. Armée céleste. Tout n'a pas en Israël. Il y a eu un exemple de la victoire en 1967. Alors, pourquoi on va poser un grand problème là? État de siège. Bon, nous avons respecté l'opinion de Bango. Nazo respecté Bango, Moutouso qui a supposé sa droit naïe. Okay. Mais seulement Nazo sensibilisé que toute autorité vient de Dieu. Yes. Et comme c'est Dieu qui choisit ceux qui dirigent,
Parce que ce qui nous a dit, Félix Tshisekedi a le pouvoir. Même Babiso, il y a une inégalité dans le débit. Il y a une Babiso. Mais il y a une demi pour nous. Parce que quand la Bible nous renvoie à sa parole, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Tozo se soumettre à la décision à Zozoa parce que Dieu est avec lui. Et il a confié ce pays entre les mains de Dieu. Et ça, c'est un acte très prophétique. Amen. Et c'est un des signes qui nous a convaincus. Donc Dieu prend réellement contrôle en beaucoup. Mais Dieu a pris le contrôle du pays. Parce que le jour où au stade, peu importe la manière dont il a fait, mais le fait qu'il a déclaré de sa bouche, lui-même, n'est-ce pas, qu'il remet le pays entre les mains de Dieu. Lui-même. Et comme c'est lui qui a repoussé. Personne. Mais lui-même. Lui-même. Il va prendre le contrôle et dédirige même. Lui. Oui, parce que en ce moment-là, il y a eu des chefs qui ont géré ces pays. Il y a certains qui ont donné le pays entre les mains de Satan. Il y a des autorités qui ont signé le pacte avec Satan. Mais lui a signé pacte avec Dieu. Il a fait une alliance avec le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu est derrière son alliance. Quand Dieu entre dans une alliance avec un homme, il va jusqu'à l'accomplissement. Amen. Donc, c'est-à-dire, de toutes les façons, amen, la paix dans ces pays, c'est dans l'ordre normal du plan de Dieu. C'est-à-dire, c'est dans l'ordre normal du plan de Dieu. Mais c'est maintenant. C'est maintenant. Mm-hmm. Pas demain. Mm-hmm. Non, c'est maintenant. Il a déjà commencé à déployer de stratégies pour pouvoir... Mais vous soutenez à 100% l'état de siège. Non, on soutient à 100% l'état de siège. Parce que plus de 20 ans, cette partie a été instable. Pourquoi? Parce que les populations qui sont vulnérables, ils sont incapables de se défendre face à des hommes qui sont armés. Vraiment. Et il faut, puisque nous sommes attaqués par les hommes de guerre, il faut aussi les hommes qui ont les stratégies de guerre. Yes. Et je pense que c'est de l'intelligence politique. Et là, vous allez faire quoi, vous quatre, à Béni? Nous allons pour prier. Ah là, c'est pour la prière. Hein? Et aussi conscientiser les femmes qui sont là, yes, de ne pas baisser le bras, voilà, et de continuer à croire que la liberté et la paix durable est possible dans notre pays. Voilà. Merci. Vous n'êtes pas seul. Il y a aussi Maman Révérende Rachel Mpela. À Outi Cameroun, hein? Oui, elle vient du Cameroun. Maman la bisou beauté. Beauté, papa. Bon, le big est ici. Nous avons de vous assembler qui, bonjour, Mitmi Sato. Dieu vous a révélé que vraiment, tous les victoires, RDC est longue dans l'Est. Yango, là? Yango, témoignage, oui, dans le. Oui, tout ça, par rapport à ma déclaration, la bisou tout ça, là, qui. Parce que dans mon canda, il y a 2 Samuel 20, tout ça, mon dans mon canda, dans le verset à 16. Et ça, au tel sabiso, comment la femme habile devait crier. Et n'a boué, oh, nous sommes à Robé les Lanzam, bébé, belobi, à Rosala, jamais dans la confusion. Biso Tokele, Liboso Lanzam, bété, poto, soit le contraire, y'a au biso, tout ça, pour espérer. Y'a Wanande Tokenda qui, puis bien, Tenzam, Bende Moutou, Azali, ou y'a pesa kabiyano, na mituna. Azali, ou y'a pesa ka solution à ma problème. Et l'eau, comme mon côté, c'est impossible, n'aïe. Aussi mis drapeau. Déclaré, aussi mis drapeau. On a le baké, Congo yango, na maboko, tout pesi yango pa inanzambe, yemoko asana, lulenge o biso tozali kolinga awa na kat namboka, kwete kimia ezonga. Mutu ya sheba ekoya. Et puis pour l'ajouter, hein, pour la baïselaye, ça veut quand nous avons, il faut quand même connaître l'histoire. Makambonge bani de ezoke wa. Quand nous avons prié, tous ensemble, na katia prière wana, Dieu nous a dit qu'il va nous faire, il va faire des choses. Dieu nous a révélé par d'autres servantes qui étaient là. Nous sommes aussi six prières de zone. Ça n'a pas fait 48 heures. Ouais. 72 heures, le président a décrété l'état de guerre. Wow. Ou l'état de siège. Oui, ça se grave. Ça n'a pas fait 48 heures, le président a décrété l'état. Alors ça nous aide. Nous sommes. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc tu es avec nous. C'est le pouvoir de l'action de grâce. Voilà. Amen. Et donc nous sommes venus pour dire que le Seigneur est avec les Congolais aujourd'hui. Ouais. Donc Estwana, c'est Zambé, Zambé, il y a mon voisin à terre. Et ceux qui nous ont besoin à terre. Parce que nous savons ceux qui sont derrière. Nous savons tous ceux qui sont derrière cette guerre. Ouais. Ce sont des multinationales. Ouais.
bah, multinationales au baza qui ont utilisé nos propres frères congolais et certains pays frontaliers pour pouvoir profiter de la richesse de la RDC. Alors, nous croyons que Ebandi n'a état de siège, mais je vous ai parlé ici de l'intelligence politique, qui n'est autre que la sagesse politique. C'est-à-dire, Dieu va donner au président de la République de l'intelligence. Yes. Non seulement de l'intelligence, mais il va lui donner des gens. Yes. Des gens qui vont lui donner de la matière, de la stratégie, pour pouvoir arrêter la guerre définitivement à l'Est sur le plan matériel. Et ces stratégies sont déjà en mouvement. Donc il y a d'abord la stratégie militaire, mais il va s'en suivre la stratégie économique, hein, économico-financière, il y aura la stratégie sociale, il y aura la stratégie dans tout le domaine. Oui. Et je peux vous rassurer que cette guerre n'existe plus. La guerre n'existe plus. Voilà une question. Il y a seulement maman, maman Abisso Bolobi, état de siège, Kassiezana, Ndeko Oazana, président de Ligue de Jeunes, na Yonitse, na ville de Bukavu, Kombonae fidèle, fidèle je crois, fidèle, hein? Fidèle Mugisho, Kabunga, Yalobi, état de siège, excusez-moi, Yangozaka Kana Nord Kivu, et bon la sud Kivu. Kunape et sécurité Zali. Le Kola na Minembo. Hein, Minembo. Alors, ça c'est Olivier Nguango. Mais ça, comment est-ce que tu as une émission ? Tu as des sièges dans les sièges ? Oui, je pense que... Parce qu'il a dit qu'il y a un côté. Est-ce que nous sommes en train moi, je vous dis que Dieu la paix a déclaré régnera déjà et règne déjà. Il a déjà déclaré la paix. En RDC. En RDC. Oui. Alléluia. Maintenant, il est en train de déployer, n'est-ce pas, sa stratégie spirituelle. Et cette stratégie, il la communique d'abord à celui qui gère le pays. Voilà. Donc, ce qui est arrivé, s'il est nécessaire que l'état du ciel soit déclaré au sud Kivu, ça va être fait. Oui. Donc, on a commencé par des zones qui sont encore à haut risque. Parce que jusque-là, au sud Kivu, c'est vrai qu'il y a, la, il y a l'instabilité au niveau des Minembwe, mais il y a quand même une certaine stratégie qui sont déployées. Le cas ne sont pas aussi accentués que à Ituri et au nord Kivu. Donc on attaque d'abord la grande douleur et puis pour renforcer maintenant l'autorité au niveau de du sud Kivu. Vous avez un passé militaire comment? Vous qui n'avez ni maman. Vous savez cela? Je suis la fille d'un militaire. Ah, vous avez raison. Pour laquelle vous vous impliquez à 100%? Non, j'ai vécu la guerre de 80 jours au Katanga. Ah, vous avez vécu ça? Mais nous tous on a vécu des guerres, voilà. Même vous. Voilà, alors, mais ce n'est pas ça. Là, c'est Dieu qui vous a rendu. Parce que Dieu est avec moi. Oui. Et dit, tu passeras par les eaux ne te submergeront pas. Oui. Tu passeras par le feu, tu ne seras pas consumé. Donc j'ai confiance en ces dieux-là. Très bien. Alors, ma bénédiction. Oui. Un mot, parce que nous travaillons enfin. Oui. Et nous, le reste du programme, ils ont mis nous. Oui, non, pour la présidente, hein. Femme pour l'amour du Congo. En tout cas, et nous on a combattu ça, kaka Isaïe pour le maître et comme il nous a oyo Eve a pui Esther a télémi. Amen. Nani, oh monsieur Nani, vachi a pui Esther a télémi. Osomona et comme il nous a ba Esther, ba Marie. Tout va couper sa solution dans mon kit parce que la femme a été créée pour ça, pour combler les vies de l'humanité. Yeah. Alors, ceux qui ont maman, aux akana batrala, aux akana matongi, aux akana nabuzova, aux akana makulata, et tout ça, tu l'as bien été. Toi qui t'es roté, mais il a été. Il m'a français, mais il est venu pour nous. Pour nous, il m'a dit que c'est la grande zone, mais ça va. Mais surtout, pas dit que le titre de la loi académique, au titre de la loi. Mais à cause de Jésus-Christ, elles se sont dépouillées. Comme Christ s'est dépouillé alors qu'il était Dieu, il n'a pas voulu reconnaître cette nature de la divinité. Il s'est dépouillé pour pouvoir sauver l'humanité. À cause de l'obéissance, il y a l'humilité. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Maman, lui,
mona ka kiso chita bene yonde soko tini yonde te moma yo ya gote o moma ni so o ya moma to yo ka basi ya mboka to bota RDC ya sika mo sin ta bota to bota RDC ya sika pour mon tonio so a se retrouver papa dit o même sous qui sentinelle a vous saler na ndenge sengeli a quoi vieux chef de l'état très bien a quoi vieux DGT très bien de moma yo. Ah. Très bien. Alors, la réunion, tout sera extrait à prière. Hein, à bon, c'est une minute, 40 secondes. Tout sera extrait à prière. Après, te conclure, ou bien te conclure la prière. Puis, mot de la fin d'abord. Mot de la fin, te conclure la prière. Oui, oui. Oui. Alors, mot de la fin, mon corps, pour la bateau, la Liba, côté la femme, pour l'amour du Congo, par contre, la vie de Ningeni, dans ça, Ningeni, parce que, et ça, ma Kamouyamboka, dit Kamouyamboka. Merci beaucoup. Comme mot de la fin, je voudrais inviter, conscientiser Bassignoso, toutes les femmes, pas seulement les femmes congolaises, mais aussi les femmes de la diaspora, femmes congolaises qui sont dans la diaspora, voire même nos autres sœurs africaines ou qui sont dans le monde, qui aiment le Congo ou bien qui ont une relation avec le Congo, de nous rejoindre, que nous soyons comme un seul homme et que nous puissions appuyer toutes les actions, les décisions que prennent nos autorités en ce qui concerne la recherche de la stabilité et de la paix dans notre pays, tout en sachant que toute autorité vient de notre Seigneur. Même si nous ne sommes pas d'accord avec celui qui est au pouvoir, mais respectons la parole de Dieu qui dit que nous devons prier pour nos autorités et nous devons le soutenir. Et Dieu est capable de changer leurs pensées pour les incliner vers la recherche du bien-être de toute la population. Et votre contact? Pour nous contacter, nous avons un bureau qui est sur avenue Congolo numéro 5 dans la commune de Ngaliema. Mais notre numéro de téléphone pour l'instant, c'est 081 8 05 63 31. Donc vous pouvez nous appeler et vous pouvez nous avoir à ces numéros. Très bien, ça n'est fini hein, pour aujourd'hui. Maman Bénédiction, merci. Maman, Robin, Rachel, Rachel. Rachel. Non, le baba, maman, il faut d'abord te zapper la vie à renoncement. Vie à renoncement, il y a un gros, maman, où tu coloba, où ils attendent, où tu es abisso, au salon, le quoi, toi, n'attends pas fête, où ils attendent, on a besoin de quelqu'un qui nous en zambi. Pendant que Bao, on a basé sur le terrain, biso tout est ma bonne, on a besoin d'assez. Amen. Tango ligne maître Eveline. Tango yango. Comme les congolais, place nyonso yo zali. Tango lo sambo. Soutenir musala oyo ba konzibazo sala. Et puis totala oyo nzambe et puis to za nalitoi, to savoir écouter la voix de Dieu. To za la te ba politique ba nini kaka te. Oyo bazo kati nini komela. Oyo qu'est-ce que vous voulez? La désobéissance amène à la mort. La mort. La désobéissance. Et elle y a coup dans la Nzambe moko. L'épée de l'Éternel est là devant, en train d'agir. Merci maman, bénédiction. Na kusuki sala mbi koloba ete. Ndeko lobitango ya boyo. Biso nyonso tjalo boko. Et loko makasi na banda sain na Nzambe. Eza sort. Eza raki tout sous la prière parce que ma politique ma beti mbela. Non. Politique et conflit qu'on dirigeait les spiritualités. Bissou n'est pas ma sentinelle. Bissou n'a pas ma sentinelle. Bissou n'a pas ma sentinelle. Tala, ma kamekom, ma bé, toke la kogonde. Monsieur le comte, comme il cause la présence d'Adeng, boy à Bobonde. Si ma mère fait enveloppe ma paix, c'est conditionné. La beauté. Et ça sonne. Bandal, le bloc, le fait si là. Miibi. Voilà. Alors, tout celui-ci là, pour en appuyer la maman, Miibi. Dougou Monti, vous aime beaucoup, abonnez-vous massivement à Dougou Monti TV, Miibi. Nous allons aller à Dougou Monti. À la prochaine, ciao. L'Église évangélique du Christ au Congo a cette ouverture de 3 journées de prière. L'oratrice du jour, la révérende Bibiane Bénédiction Mbongo, a axé son message sur le rôle que doit jouer la femme congolaise en cette période de crise qui traverse le pays. Ah, vous allez quand vous avez conscience, dans la mouka, nous allons vous aimer. Nous allons vous aimer, mon corps. Ça va m'y balader.
Conscientes de leurs responsabilités, ces femmes se disent déterminées à faire entendre la voix de la RDC à l'être suprême. Ils sont décrétés 3 jours à prière. On a connu la pona mboka. C'est une journée beaucoup spéciale. On a connu la pona ba maman, ba papa, basi. Par ailleurs, la révérende Bibiane Bénédiction Mbongo a invité les femmes congolaises à se joindre à eux en vue d'un front commun pour le Congo. Il y a quatre bondes là. Chants, prières et prédications ont marqué ces premiers jours.